déjà prié avec toute l'église. Et tu l'as été allé même dans le concours biblique qui fait chaque année. Combien l'église qui gagne dans la Bible, il te dit que gagne 13 l'église qui gagne dans la Bible. Nous gagnons 7 églises que nous voulons l'église prototype. Église qui personnifie toute l'église qui gagne dans le monde entier, l'église de Jésus-Christ. Dans cette église prophétique, ça y est, qui est l'église prototype, nous avons toute qualité et tout défaut qui gagne dans toute l'église qui gagne. Si vous voulez une qualité, ça a ou pas un défaut, ça a caillon. Si vous voulez un défaut, ça a caillon, ou pas une qualité, ça a caillon. Donc, en d'autres termes, c'est cette église de l'Apocalypse que nous voulons, cette église prophétique, qui était prophétie que Jésus a fait sur les églises. Que lui va rencontrer avec eux dans le dernier temps, dans sa que théologie a révélé l'eschatologie, côté que lui va pour rencontrer avec les hommes qui a fonctionné sur la terre, mais ce n'est pas moyen l'Église que lui va régler sa guerre pour régler avec. Donc, il y a 7 églises d'Asie mineure. Il y a des météos là comme symbole, une représentation de toute église qui a fonctionné sur la terre. 7. Donc, il y a 7 églises prophétiques qui représentent les 7 églises prototypes. Maintenant, à côté de ces 7 églises de l'Apocalypse que Jésus a fait présage sous ça qui va venir dans le temps pour toute l'église qui est sur la terre, nous voyons l'apôtre Paul dans lettre qu'il t'a distribué pour les églises que lui-même était un ministère dit dans le travail d'évangélisation, dans le travail de propagation de l'évangile. Dans les lettres qu'il t'a adressées à ces églises-là, les épîtres, partant de l'épître aux Romains, où tu es capable de vivre dans l'épître aux Thessaloniciens, nous joignent 7 lettres que tu écris à 7 églises. Dans cette église, ça y est, l'arrivée que nous joignent Éphèse, qui y en a ça que Jésus fait prophétie dans l'Apocalypse là, qui fait nous comprendre que l'église d'Éphèse, lui vient mentionner deux fois dans la liste des églises qui est dans la Bible. En sorte que nous n'avons pas d'intérêt pour nous considérer Éphèse deux fois, comme ça nous retirer une fois. Que c'est à voir dans l'Apocalypse là, que c'est à voir dans l'Épître. Donc nous prenons Éphèse une fois parce que qu'elle y a adressé la lettre à 1000 églises, ou du moins est-ce qu'elle a adressé la lettre, 1000 lettres à une seule église, elle est toujours représentée une seule église. C'est ça qui fait noter pour exemple les Corinthiens, pour tenir là pour tout adresser deux lettres aux Corinthiens. Première épître de Corinthiens, deuxième épître. Ça fait deux lettres au Corinthiens, mais c'est à même l'église là. Mais
même il a fait pour Thessalonique, il a écrit des lettres à une seule l'église. Donc, en sorte que sept lettres, ou du moins sept prophéties dans l'Apocalypse là, aux sept églises du dernier temps, et six églises que l'apôtre Paul a écrit à eux. Donc, fait dans l'ensemble, 13 églises que la Bible présentait, bah, bah, ouais, n'a besoin qu'à naturellement, principe, nous, c'est 20 fois sur le métier. Vous mettez votre ouvrage, plus répétition, c'est plus n'a pas, plus n'a pas songé. Mais au moins, il faut qu'on soit capable de prêter avec notre tête. Il y a 13 églises. Une Bible à présent. Il ne nous parle pas d'église. Nous voulons assembler Jésus-Christ. Parce que avant mon église là de venir, il y a une adoration qui est comme fait. Mon chat te réuni pour faire adoration, il te réuni en assemblée. Et c'est assemblée des Lévites. Assemblée des. Si j'ai élite sous quelque forme que tu es présenté, c'est dans la assemblée des Samaritains, assemblée des Sadducéens, et toutes ces assemblées qui ont été. Mais Jésus t'a dit, il faut bâtir assemblée par, et puis il est assemblée par là, l'église. Il dit, on assemblée qui part même bien avec assemblée l'autre congrégation. Bon. Donc c'est là que nous t'ayons. Semaine passée, nous avons considéré les églises de la Bible et nous avons voulu poser accent sur les sept églises prototypes, c'est-à-dire les églises prophétiques. Après que nous avons fait présentions une vue large sur l'ensemble de toute l'église, les églises prophétiques. Nous avons dit qu'il y avait des moments à côté que nous devons considérer chaque église, ça y yon, pas yon. D'ailleurs, nous avons dit que dans cette église, ça y qui représentent, qui sont des églises prototypes, qui présentaient les églises de Jésus-Christ devant responsabilité dans le monde, gagnaient cinq ans qui loin pour répondre à privilèges. Que l'église t'a doué gagner sur le plan spirituel devant Jésus-Christ. En d'autres termes, et cinq naïos qui loin peut être capable de sembler ça Jésus-Christ a cherché dans l'église. Et bien, deux qui répondent à redevention. À responsabilité, yo, en tout terme, à mission yo, devant Jésus. Deux églises yo, qui paraissent à part, qui dans les yeux Jésus-Christ paraissent avec une certaine valeur, que en nous disant d'autres termes que Jésus acceptait comme l'église, yo relé. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Ces deux assemblées, ça y est, que Jésus-Christ parle en rien pour reprocher d'après ça que lui a cherché dans l'église. Après quoi? Tout l'autre Saint-Pion, c'est l'église qui tout à fait égarée.
égaré dans Dieu Jésus-Christ. Première, l'Église que Jésus t'a fait prophétie sous. Nous jouons l'Église à, dans l'Église à nous que l'apôtre Paul t'a adressé lettre. C'est l'Église ça que nous dit, qui répétait deux fois dans le temps 13 Églises. Tout d'abord, c'est l'Église d'Éphèse. D'ailleurs, c'est avec lui-même que prophétie Jésus a commencé. Ça veut dire qu'il a besoin de présenter les sages à la parole aux gens sur les églises que lui va traiter avec eux dans les derniers temps. C'était Éphèse d'abord que j'ai parlé avec eux. Donc, Éphèse, si nous comprenons le message Jésus-Christ, l'état droit, il y en a bon l'église. L'état droit, il y en a ça qui est un feu vert. Dans Dieu Jésus-Christ, quand tout ça que je dis en faveur d'Éphésio, c'est bon bagaille que vous avez supposé. Mais ça que Jésus voyé comme message à l'ange de l'église d'Éphèse, par le biais de l'apôtre Jean, tant qu'on connaît, qui était en exil dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse, chapitre 2, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept champs de jet d'or. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église, des fêtes. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Verset 2, il dit, mes messages là. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Nous campons là. Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, lui déclarer à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Moi, connais ça que tu as réglé. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Je connais qui j'ai à fonctionner comme église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jésus dit que moi connais combien, qui j'en pour supporter méchants yo. Méchants yo, eux, qui viennent sous forme d'apôtres et qui pas apôtres vraiment. Ça yo, qui plus agit comme menteur dans le travail.
connaît gagner une lutte dans le travail bon Dieu. Côté que nous avons une foule de tout le monde qui travaille pour Jésus, au nom de Jésus. Bon, en même temps, que Jésus lui-même avec bouche lui dit que c'est pas tout ça qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a voulu entrer dans le royaume du ciel. C'est ça qu'il fait, il dit, ou même ou bien intérêt pour capable sonder les esprits. Pour capable connaître est-ce que c'est dans mon Dieu vraiment l'esprit ça le sort. Éprouver les esprits. Sonder les esprits. Pour savoir s'ils viennent de Dieu. Pour qui ça est Dieu. Parce que il y a un pile faux prophète qui vient dans mon nom. Donc il dit, dans foule monde ça y est, il connaît combien la adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. On connaît comment on a goûté dans le temps. Bon, élément ça. Dans verset 3, il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Of course. Il y a un serviteur qui a goûté dans le niche. Il est capable de moquer de ce que vous voyez en ligne qui va sembler avec l'île que tout le monde a marché là-dedans. Il y a quelqu'un de monde dans la vie qui fait servir mon Dieu pour vous. Vous m'entendez, quel que soit le champ de la hier, que vous avez l'église dans ce côté, et chaque monde veut défendre la fête par vous. Et c'est ça qu'elle démontre effectivement. Mais nous étions quoi? Que gagnent de vrais serviteurs. Que de vrais serviteurs. Que de vrais serviteurs. Qui d'accord pour nous vivre la vie chrétienne à la dimension de nos séries de chrétiens qui étaient immolés dans le temps. Que de vrais serviteurs. Qui a persévéré parce que nous disons quoi? Dans la persévérance là. Bien qui dit où? Bon, que Jésus était sauvé, il est sauvé honnête. Ça veut dire quel que soit son frère ou sauvé. Cependant, nous apprendre dans le bout de Jésus que c'est ça qui va persévérer jusqu'à la fin, hein, qui va sauver. C'est ça que dit l'être, il faut qu'on ait que dans le dernier temps, ça c'est dans Matthieu chapitre 24, quand il dit que l'injustice a gagné terrain au point que côté que tu as gagné, justice, quelques monde qui te guérit, la charité, quelques sentiments d'amour, la caillou, eh bien, chaque jour, c'est méchanceté qui a remplacé et qualité, ça, au pire, quand même. Côté que tu gagnes une forme de justice, quelconque, c'est injustice qui a rentré davantage. Parce que chaque fois qu'il y a une injustice rentrée, c'est place libre quand la justice. C'est l'amour qui a produit. Et ça fait tout, la charité du plus grand nombre disparaîtra à mesure que l'injustice a gagné l'intérêt. Mais il dit où? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est ça qu'il prêchait. Donc c'est ça que lui a dit à l'ange de l'église des fers. Moi, je vois que les gens ont lutté dans la bonne méchanceté. Je vois que les gens n'ont pas accepté les choses, les gens qui ont vraiment fait dans la rue. Ou pas d'accord pour les gens faire marcher selon le principe, selon ce que vous voulez. Moi, tout le monde a fait ça. Moi, je vois que les gens persévéré dans la grande foi, la foi. Du salut. Moi, ouais, qui gens que vous souffrez, comment tu as souffert à cause de mon nom? Parce que Jésus, il a mis ça bien. À tout
Apocalypse, dernier chapitre là, il dit ou même qui persévérez dans ma parole, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai moi aussi au jour des épreuves qui doivent venir dans le monde. Parce qu'on persévère dans la parole moins, parce qu'on kembe non moins. C'est ça que lui dit là. Je sais comment tu as souffert à cause de mon nom. Mon nom qui voulait vraiment arriver dans la marche avec Jésus, c'est pour d'accord pour le critiquer. C'est pour d'accord pour dire où son homme qui en retard pour y parce que le monde a parlé vite et tout le monde qui est là dans lui a marché vite, tout le monde besoin arriver. Comprendre? Bon, et mon cher, demandez-moi, est-ce que vraiment nous sommes capables de blâmer un monde qui sentit que c'est là qu'il est capable de faire avenir en lui? Est-ce que nous sommes capables de blâmer? Si pas qu'à faire avenir là, de l'autre côté, et puis c'est là qu'il est capable de manger lui, c'est là qu'il est capable de faire une réserve pour la famille, puis devant, il y a des soucis pour la famille. Est-ce que nous pouvons blâmer lui? Bon, on ne pas connaître. Donc, ou même qui sentit qu'on ne peut pas faire comme ça, donc c'est vous qui dégagez avec le Seigneur pour connaître qui ça l'a fait. Parce que tout le monde a des soucis familiaux, ou des soucis de tout, vieux joueur, mais qui est-ce qui est lié, leur couche en côté, qui est-ce qui peut manger, côté social sécurité, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse vitesse, confondre avec précipitation pour être capable de réserver dans la banque là quelque part. Est-ce que nous avons blâmé un monde qui ne me connaît pas? Mais ça que je connais, c'est que moi préféré moi-même quitter le Seigneur là, faire arrangement pour moi. Ah, c'est moi-même. Je préfère quitter faire arrangement pour moi au lieu que c'est arrangement les hommes qui vous a ébranlé moi dans la rue. D'ailleurs, il a tellement fait de grandes choses déjà dans la vie nous. Je vois moins déjà été dans ce Seigneur là. Parce qu'il a déjà fait un peu de bagaille déjà. Je ne vais pas voir pour le bagaille que je ne vais pas comprendre. Donc, il prend note de tout bagage, ça y est pour le monde qui est d'accord. Pour vivre comme ça, pour persévérer comme ça. Songez que la parler à l'ange de l'église d'Éphèse, qui a des messages liés pour être capable de transmettre à la congrégation. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Bien, ça lui, c'est mon Dieu qui crie. Ou pas connaître si vous priez. Parfois dans ta famille, parfois dans la prière, parfois le haut pour compte, vous comprenez. Bien tout. Priez pas une façon. Tant que nous avons dit, mais à côté de là, au côté que vous avez invité à aller prêcher, au-delà, c'est une question de. Les moissons, hein, les récoltes là, arrivées, saison récolte là, arrivées. Mais pour récolter, il faut planter. Mais planter, c'est là toute histoire là. Parce que bien planté, on a mis dans une niche fourmi. Bien de terrain, chaque coup de pic qu'on fait, son niche fourmi qui le fait. On y a assez ou même pour pouvoir dégager, pour pouvoir pousser fourmi à côté, qui a demandé ou quand même, mais on va
pousse route pour capable planter un grain de maïs. Un grain de maïs. Dans différentes terres. Oui, planter dans différentes qualités de terre, une terre qui tue. L'eau fourre un pied. Mais c'est sous roche pour aller tomber. Avant pour traverser, roche ça pour jouer une vraie terre là. C'est en pile difficulté. Mais c'est l'eau qui traverse toute l'histoire, ça y oui. Donc c'est là ça que vous avez respiré. Et puis on a gardé la plantation qui a fleuri et qui va avoir plus de joie encore là où les fleurs sont tombées et qui se graines qui a monté et puis même les graines qui va venir à maturité et puis le moment arrivé qu'on y a pour récolter. Donc c'est ça que nous remet Psaume 126 là en pile qui dit où ça qui à marcher avec Blonanger dans le champ avec Blonanger pour la faire ce mans là quand l'équipe va arriver le là ramasser grenio c'est avec joie. C'est ça que son dit celui qui marche en pleurant quand il fait la semence et bien la récolter avec allégresse dans le jour moisson. Donc Seigneur l'a dit, Liwa, qui j'en ai souffri dans le travail là, et puis il dit, et que tu n'es point lassé, malgré souffrance, malgré difficulté, malgré moquerie, malgré incompréhension dans le travail là, il dit, ou pas jamais fatigué, tu n'es point lassé. T'as son bel message pour vous qui a persévéré. Qui a persévéré. Ça, c'est le message que lui adressé à l'église des fêtes. Non, mais oui. Ouais, tout ça, c'est un bon bagage que le Seigneur a voué pour l'église des fêtes. Bon bagage, tout sérieux. Et puis, dans le verset 4 là, il dit, mais, attendez, il finit tout bon bagage, ça, pour l'église des fêtes. Moi, je connais un vous, moi, je connais un travail. Et moi connais persévérance ou et moi connais surtout qui gens que ou pas supporter méchant yo dans le travail Seigneur là et que ou éprouver ça qui dit c'est apôtre yo ou sonder yo pour voir si c'est apôtre yo est vrai ça qui dit serviteur yo ou sonder yo pour voir si c'est serviteur yo tellement. Est-ce que vraiment tu les as trouvés menteurs? Ouais, qui responsabilité Seigneur là-bas, ou même comme ouvrier, comme un travail pour lui. Les doux sont des esprits. Parce que une fois, ou campé derrière déclaration ça, qui était faite dans le contexte Paris, côté Seigneur a dit. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Sont pas jugés, comment vous êtes capable de faire reconnaître ça bon, ça pas bon? Pas calomnier. Comprends? Mais il faut qu'on sonde. Juger, c'est sonder. C'est éprouver, c'est ça. Et c'est parce que où tu es. À considérer travail serviteur ça qui font que finis par réaliser que tu les as trouvés menteurs. Vous comprenez? L'on finit prouver yo, sonder yo, ou un travail qui a fait, il va répondre à sa Jésus menteur, et puis on dit, nous sommes ces menteurs que yo. Jésus dit, lui comprendre. Qui j'en travaille ou atelier. Non seulement vous trouvez au menteur, et puis vous même les reconnaître persévérance ou. Et qui j'en ont souffri dans le travail là. À cause
non lui. Et puis, à travers toute souffrance, je ne suis pas fatigué. Le film dit tout le bagage, verset 4 dit, mais c'est dans la mer que nous vivons la première. Là. Malgré tout, c'est ça que je veux dire, malgré tout, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, mais malgré tout, bon bagage, ça y est, le Seigneur a joint la caillou comme qui met des mains dans le travail, qui a fait toute qualité d'effort, qui n'a pas peur d'enfumer, qui n'a pas peur piquant, qui n'a pas peur moquerie, qui fait tout ça capable pour être droit. Devant le Seigneur, il dit, mais ça que je gagne contre vous-même, c'est que vous abandonnez le premier amour. Jésus, il est venu avec amour pour le mari. Et dans toute vie retournée, quel que soit ça que l'affaire, c'est par amour d'ailleurs, c'est avec condition ça que l'on a quitté tout le monde. Il est d'accord avec le Père et le Saint-Esprit pour être condescendant parmi nous, pour être capable de venir retirer l'homme qui a marché en bas de l'oppression sans l'amour. Et ça qui fait qu'il est venu descendre en bas dans la boue pour le. Grand monde qui en papier pour lever avec le monde. Et l'idée doit monter en haut côté de monde qui est grand yo pour te saisir au monde qui pas ta chambre descendre. L'idée pour venir descendre pour te mettre dans le temps là, faire rencontrer avec ça qui est en bas dans la voie pour faire tout le monde différencier. Par amour. Et puis regarder à l'ange de l'église à Paris. Je dis, malgré toute bonne qualité ça y est, que nous jouons pour moi, mais ça que nous avons contre moi, c'est que vous abandonnez le premier amour. C'est que le premier commandement que moi me débat là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et puis après mes prochains, yo, dans le premier temps. Et puis il n'y a pas loin de ça. Mais c'est ça qu'il faut que il te reproche à monsieur d'abord. Après ça, il dit, dans verset 5 là, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Songez, qui faut vous sortir. Parce que Jésus a adressé à un peuple qui est perdu. Promis perdu de la maison d'Israël, qui aujourd'hui a venu retrouver route avec le Seigneur là. Et puis, ils ont voulu plier côté de sorti. Pablo dit, encore, Mounsa, qui hier, nous, hier là, qui était dans tout état de monter, qui vient rencontrer avec la lumière de l'évangile, qui vient rencontrer avec un salut que Jésus offre par grâce, qui dit que nous saisit salut ça, et puis, nous croyons que nous avons quitté ça, lui a tombé pour nous retourner encore dans la constatie. Il dit, songez, du côté que nous sommes sortis, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Ouais. Il reconnaît tout mon bagaille qui est dans l'église d'Éphèse. Mais malgré tout, il dit, joigne le premier amour, le premier message. Moi. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Toute ta pensée, de toute ton âme. Et puis, aime ton prochain comme toi-même. Malgré. Il dit, à moins que vous repentiez et que vous finissez, remettez-vous dans le normal. Dans le cas contraire, m'a retiré chandelier par là. Étoile par là.
dans le message que l'Ipoil passe, et puis quand il va dire, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. À moins que tu ne te repentes, à me dire qu'on a une chance, quand même, qui réservait à ça qui t'a jeté dans sa rue de l'apostasie, qui t'a voulu plier pour y à moulin, et qui a une chance quand même, compte tenu de tout bon bagaille que le Seigneur a énuméré pour y a, mais qui t'a fait table rase de l'amour. Avant que lui retire, chandelier parle. Donc la demande est pour capable de répondre. C'est ça que lui dit pour nous. Et puis dans verset 6 là, lui dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ça, c'est un autre privilège qu'on gagne. Vous souvenez, les filles disent, mais tout bon bagaille qu'on gagne là, car. Mais il dit, mais, ou pas gagne l'amour. Mais pendant, il dit, ou pas gagne l'amour là, il dit, bon, il dit, où m'a retiré étoile par là. À moins que vous venez repentir, ça veut dire une chanson pour capable retourner dans la position chercher place. Parce que, et puis, vous comprenez ça fait quitter les fenêtres à l'ouvrir toujours. Il dit, c'est parce que, encore, ou gagne ça là, caillou de bon. Verset 6 là, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Semaine passée, nous avons expliqué les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est des partisans, c'est des disciples. Il y a un homme qui te prend position contre les affaires de Jésus. Nicolas, Nicolas, lui, te propose que lui a fonctionné dans le nom de Jésus et que lui embrassait le ministère de Jésus. Mais entre-temps, c'est fausse doctrine que tu as publiée. Et il était en pile fanatique avec lui. Donc, pendant que lui était en bon monde avec lui, Jésus est reconnaître que en dans l'église d'Éphèse, l'ange de l'église avec quelques fidèles de l'église, il était contre les œuvres de Nicolas. Bagaille, monsieur Nicolas, de ta fait. Comme si ma bagage Jésus était. Il dit, nous gagnons ça comme bon la caille. Malgré que nous voyons le premier amour à côté, nous pouvons la gagner. Nous sommes pour nous repentir parce que nous avons un dernier fenêtre qui ouvre pour nous. C'est que nous haïssons les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais moi aussi. Donc tout le monde qui haït ça, Jésus, raïe, Jésus, gain place pour. C'est ça, Pédito là. Malgré nous, abandonner le premier amour là, nous gagnons des dernières chances pour nous. Mais chance, ça, c'est nous qui pouvons dégager pour en lit. C'est si nous repentis de vie état, qui vient faire nous perdre le premier amour, qui fait que on est fâché contre lui. Et puis, dernier verset que lui a adressé à l'ange de l'église d'Éphèse, dernier message à lui dit,
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est une bataille de lien, c'est une lutte que vous avez menée. Une lutte côté gagner pour gagner ou bien gagner pour perdre. Parce que l'apôtre Paul présente nous via vie chrétienne comme une lutte. Yon course, côté ou a couru, mais courir, courir, c'est pour capable de vivre, c'est pour capable de gagner. Donc, Jésus, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, lui dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ça veut dire que ça, qui a été marché avec Jésus, lui va gagner pour manger l'héritage de la vie éternelle. Bon, maintenant, ça c'est message Jésus. Nous dit message Jésus à l'église d'Éphèse. Mais son message que Jésus veut mettre, hein, à qui est-ce? À l'apôtre Jean. Au message que Jésus veut mettre à l'apôtre Jean. Qui côté l'apôtre Jean est là, ça? Qui côté lié? Dans l'île de Patmos. Ça le fait là dans l'île de Patmos. Ça le fait là? Lui en exil. Lui en exil dans la prison. Dans l'île là. Dans le campé loin, pas couché. C'est là que vous allez mettre lui. Pour qui ça? Pour le nom de Jésus. Mais l'apôtre Jean, pas qu'à comprendre le message ça. Que Jésus parle là. Songez que c'est sept messages comme ça que Jésus parle là. L'apôtre Jean, sept messages qui allaient aux sept églises prototypes, sept églises prophétiques de l'Asie mineure. Donc, ça c'est le message que nous voulons nous dire à l'église d'Éphèse. Ça c'est le premier message. Donc l'église d'Éphèse là, si nous la résumer en une phrase, qui ça qui fait le Seigneur est complète contre lui-même? Alors, qui complète le Seigneur là contre l'église d'Éphèse? Alors? Parce qu'il a abandonné le premier amour. Il a abandonné le premier amour. C'est complète ça qui vient contre l'église d'Éphèse. Qui fait que il n'est pas classé carrément dans de l'autre église que Jésus déjà accepté, c'est l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. C'est seulement parce que l'église d'Éphèse nous dit abandonner premier amour. Jésus vient. Mais l'idée de chance, lui, toujours, c'est s'il est repenti. S'il retournait dans les bas, Seigneur. Ok, donc, et puis il fait ça. C'est qui est-ce qui est responsable? Alors, qui est-ce qui est responsable du défait ça? En d'autres termes, en l'église, ça que Jésus vous aimez, ça va dire, c'est qui est-ce qui est? C'est la bonne voie. Bon, non. En
l'église là, c'est Timothée. Nous étudions l'idée. C'est l'ange de l'église d'Éphèse, Timothée. C'est à lui-même que le message ça a adressé. Donc, Timothée, l'idée qu'on se voit, tout bon enseignement déjà, n'a même pas l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul de Timothée, tout ça que lui doit faire déjà, toute façon que lui doit mener l'église Jésus, hein, si lui va t'avouer pour Seigneur là, rejeter lui dans le dernier moment. L'idée à prendre Timothée à prêcher la parole en toute occasion. Prêcher la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise. Prêcher la parole. L'église d'Éphèse, c'était une église qui était très dangereuse. Qui était dans une position très difficile. En sorte que l'ange église de fait ça, son homme qui pacte, a un job facile pour lui. Parce que son église qui prend naissance dans mi-temps, tête chargée qui était gagnée à Éphèse. C'est une charge spirituelle. Côté idolâtrie, t'es pas son plein. Pour rappel à information que nous te gagnons déjà ici, on va songer que l'église défait ça, c'est dans mi-temps, ils ont bande idolâtre. Quel idée, en d'autres termes, que lorsque l'apôtre Paul a placé Timothée à Éphèse, c'est une congrégation, son milieu, c'est un building que adorateur, c'est monde qui était fond dans l'idolâtrie. C'est ça qui fait non. L'église d'Éphèse là, c'est l'église de la Vierge Marie. Que le théien, c'est comme ça que le théien est. L'église de la Vierge Marie, c'est ça qui fait traditionnellement. Faites l'église ça, célébrer, on nous dit, chaque année, jusqu'où on y a toujours, d'après la tradition de l'église catholique, c'est d'avoir 26 janvier. En Asie mineure, avec même idée, mais c'est pas l'église chrétienne, non. Non, Saint Timothée, il continue à célébrer annuellement. Donc, on y est. L'église, ça, elle n'a pas les deux lits. Non pas doué retirer l'église de Smyrne, ni non plus l'église de la Odyssée. Nous pouvons étudier la Odyssée devant. Nous pouvons étudier l'église de Smyrne tout. Mais c'est la même idée que y a. Parce que ça te fait problème l'église de Éphèse là. C'est richesse époque là. Et l'Asie mineure, c'est l'église qui était florissante. Côté monde, t'as sorti tout partout pour aller chercher la vie, intégrer la vie. C'est avant même genre, on a parlé de États-Unis, aujourd'hui, hein? Côté tout pays du monde entier a quitté la caille. Que c'est
fil fer pour traverser frontière là pour y arriver ici aux États-Unis. La même barre là parce que États-Unis n'y a manger. États-Unis gagne la vie que lui offrir. Ou te mettre pas voir rien du tout la caille. Et pour que tu arrives au ici, ou ap voyons barre quand même. Si c'est manger du tout, pas capable de manger, au moins on va le manger. Dès que tu arrives ici, même le gouvernement va courir derrière, ah, on va le manger quand même. Mais il n'y a pas. Eh bien, c'était ça qui est arrivé dans l'Asie mineure. Commerce là, oh, c'était belle bagaille que le pays. Commerce là, c'était ça. Seulement, bateau a traversé l'eau, sorti Colosse, pour aller à Éphèse, sortir Éphèse pour arriver à la Odyssée. Ça veut dire, ils ont tout à croiser l'un avec l'autre à la recherche de fortune. C'était la vie qui était gagnée à Éphèse. En sorte que, il y a un jeune garçon dans Timothée qui fait paraître dans la vie après éducation. Il y a plus tendance pour être capable de tomber. Il y a plus chance et tout pour être capable de jeter col dans l'autre bois parce que son jeune garçon, vous voyez, vous avez avenir, vous ne pouvez pas. Ah ouais, moi. Avenir, là, c'est un job. Donc, mais songez, piège là toujours là, avec l'argent. C'est ou bien, ou prend Jésus, et ou quitte Jésus, faire ou la pour, ou bien, ou pas capable de Jésus, ou aller chercher l'autre élément qui caïdo là. Donc, la bonne côté de terrain, pour être capable de mettre Timothée en garde contre tout ça qui vient dans la rue. Parce que ça doit être pour deux vins, pour des gouvernements, pour être pour eux qu'on y a là pour venir voir un job. Premier ministre. Ah oui, gouvernement pour être pour eux. Pour Alpha représenter. Gouvernement là, dans n'importe quelle profession. Son jeune élément pour pas rebouiller. Of course. Ou pas obligé de refuser le gouvernement en position, non? Mais pendant on est en position, hein? Songez qui est courrier. C'est ça là pour tout Paul qui veut faire. Simon dit qu'on est. Prêcher la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise. C'est ça que les besoins faire Timothée connaît pour que lui pas virer l'anglais quand pour dire la vérité devant mon qui a besoin d'un des fables bagaille qui pour faire rire. Qu'on parle un prédicateur qui parle une faire mon effet yo rire Timothée. En plus mon fin faire rire déjà. Comprendre? Qu'on parle un prédicateur qui vient par nous, ça que vous avez besoin d'entendre, mais ça que vous voulez entendre, mais pas ça que vous avez besoin d'entendre. Hein? Génios. Pas venir par peuple là, ça que peuple là voulait entendre, mais pas peuple là, ça que lui besoin d'entendre. Gagner différence entre voulez un bagage et besoin d'un bagage. Papa, peuple là, ça que lui voulait, attendez, ça que lui voulait dans le c'est désir que lui que lui. Et ça fait le dire, puisque dans le dernier temps, on parle de l'homme voulait marcher selon le désir au gré de leur cœur. Il a choisi propre docteur, mon qui pour bailler aux études qu'il a besoin. Il a choisi mon qui pour bailler aux messages qu'il a besoin dans le dernier. Mais il dit attention, attention, prêche la parole. Et tous les hommes ont détourné de la vérité pour yo attacher, pour yo adonner à des fables. On nous dit fable là, c'est un genre littéraire. C'est un côté que ou si on sait une vérité, mais en dedans, il y a un message. Vérité attachée. C'est
gratter, pour aller gratter, pour jouer vérité en dans fable. Nous, bon exemple, déjà à côté de la fontaine décrit le loup et l'agneau. Il a besoin de parler avec Louis XIV qui était un chien, en gros, chien enragé dans la forêt, un lion dans la forêt, qui a mangé le peuple, Louis XIV. Mais pour ne pas nommer non Louis XIV, il prend le lion, chef de la forêt. Peuple représenté par l'agneau, petit mouton, ça que tu as étudié ce semaine passé à Brebis, lorsque Jésus était Dieu. Eh bien, Brebis prend soin de Brebis, moi. Donc, la fontaine écrit le loup et l'agneau. Il écrit le lion et la bourrique et l'âne, les animaux malades de la peste. Ah, me dit, c'est lorsque je finis toute fable là, ou poil, tendez. Message à nous, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Dieu vous rendront blanc ou noir. Ou pas le message à qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais comme si vous bon parlez un peu qui finit fait déjà, et puis en dans bon parler, mes messages là, la raison du plus fort, toujours la meilleure. La photo pour le dit Timothée, ben message là si vous êtes. Ils ont voulu, ils ont pris, ils ont pas voulu. Ils prêchent la parole. Pas quitter. Ils ont servi avec jeunesse pour exploiter le ministère. Donc, mais Éphèse, en deux, trois mots, nous disons deux, trois mots que nous avons aussi là-haut. Avec Jésus-Christ. Qui est une attente dans le dernier moment. Côté Nicolas retourner pour venir joindre avec l'église d'Éphèse que j'ai quitté à Yotan et puis dans l'époque de l'enlèvement. Pour voir Éphèse en qui ça que lui retourne. Donc, Timothée ça. Qui était représenté l'église d'Éphèse. C'est ça que l'apôtre Paul est le vrai petit fils dans la foi. C'est un homme qui était fait en Asie mineure. En Asie mineure, à Lycorne. Papa lui c'était un grec que lui était hier et maman lui c'était un juif. C'est grand-mère qui est devenue chrétienne d'abord par évangélisation et qui est devenue pour l'évangile là. Non, mais maman, grand-mère qui était les lois, et maman qui était les pénis. Et bien, c'est la mère, pénis, qui était pour l'évangile là, qui fait lui-même. Il est devenu chrétien. Il a été pour aller de génération en génération. C'est un privilège. Quand on est capable de rencontrer le Seigneur là, dans des circonstances difficiles, et qu'à travers la difficulté, on peut comprendre que on peut être résister, marcher avec Jésus. Donc, Éphèse nous dit, d'après Jean-Pierre qui l'a présenté aujourd'hui là, c'est premier l'église que Jésus t'a gardé avec chez lui dans les yeux spirituels, il t'a gardé condition. Il te dit, bon bagage. Bagaille que Seigneur a été pour plaisir là-dedans, Jésus, et pendant que tu es pour plaisir dans tout bon bagaille qui est dans Éphèse là, il te reproche Éphèse de ce que il n'a pas gardé premier amour, il t'a abandonné premier amour. Mais malgré tout, il t'a
qui ont chance pour Éphèse, c'est que l'attente que Éphèse vienne repentir. Mais pour Éphèse repentir, c'est Job arrange l'église là pour être capable de mettre Éphèse devant, les chrétiens d'Éphèse, les Éphésiens devant la vérité. Vous connaissez qui côté curieux. Donc en d'autres termes, on met de toute bagaille. Et dernier doit dire, la ville dessinée, c'est dans le même pays. Et mon cher, dessiné dans la mer, s'ouvre les poils. Mais Job, leader là, Job, ange, roi, c'est pour montrer au côté dessiné là. C'est dit pour bon vérité, s'ouvre les poils ou quoi? Sous Babeli ou quitter, c'est là ça qu'on y a dessiné là. Mais lui-même, lui péché plus mal, passer où s'il n'y a pas mettre au devant la réalité, s'il n'y a pas bon vérité. Moi, quoi, un pilote bagaille que l'on a dit différent. D'ailleurs, nous disons plus de gens dans le passé, plus de gens dans le passé, sur les différents. Mais nous voulons être dans le cadre d'Apocalypse, là. Nous avons présenté Éphèse pour vous, en forme qui est plus simple. Là. Et comme nous promettons, nous voulons étudier chaque église dans Apocalypse, l'un après l'autre. Ça veut dire que dimanche prochain, c'est pour nous prendre la deuxième église qui finit après Éphèse. Là. Comment nous est-ce? Apocalypse chapitre 2. Nous sortis dans Éphèse et qui est-ce qui vient next? L'église de Smyrne. C'est lui qui vient comme next hein, après Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Au Dieu l'Éternel vient pour l'adresser à l'ange de l'église de Smyrne. N'apparaît là pour nous dire, à moins que vous avez dit un bagaille en question ou en commentaire que nous ne pouvons pas vous dire. Rendons pour qu'on y ait. Peut-être on a les vite parce que moi je vais déplacer qu'on y a tout ce qui va le garder. Et puis rêver, ça je dirais la bonne. Est-ce qu'il y a un monde qui est capable de railler toute sa Jésus raille sous terre? Si comme on qui est capable de railler toute sa Jésus raille sous terre. Bon. Je ne connais pas dans quel château. Je ne connais pas dans quel pas. C'est ça qui fait. Attendez. C'est ça qui fait. Jésus présente sept églises. Attendez. C'est ça qui représente. Il ne va pas prendre une seule église, non, qui pour représenter toute l'église qui vient dans le monde. Il prend sept églises. Ça veut dire, on a l'église ça, ou venion qui vient l'amour, ou au maximum. Et puis, l'or, jamais dans l'église ça, il n'y a pas l'amour. Pendant que pas l'amour, quand l'église là qui te gagne en pile l'amour là, c'est l'amour seulement que le gagne avec bouche, mais pas l'amour avec cœur. Et pendant que l'église gagne l'amour là, on croit que c'est l'amour. Mais la Bible a dit gagne la foi, l'espérance et l'amour. Espérance là, c'est lui qui pour mener nous à Jésus. Nous croyons dans un jour que Jésus a fini. Mais bon, bon monde qui dit que l'amour, ça veut dire que nous avons fait charité, nous avons distribué tout ça que nous avons fait pour faire manger, pas manger. Mais là, faire distribution ça, c'est une affaire personnelle de cueillir, il n'y a pas où est une vie éternelle qu'il y a cherché là-dedans. Donc, on a l'église à capable de faire l'amour, et puis, pas gagner l'espérance, donc la chance, pas gagner l'espérance. Puis, l'amour, l'amour n'a qui ça, il n'y a pas de la foi en Jésus, tandis que sinon, l'autre même, qui vous parle, il y a un pile foi, mais foi dit, sous la foi, ça veut dire sous quoi? Il faut qu'on baptise, on va sauver, et pourquoi le monde nous dit quoi, 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 et pendant ce temps, ils ne font pas en avant. Donc, où venir dans ça? Qui bon?
et pour pas venir l'autre nous. L'autre doit de ça qui bon, pour pas venir ça. C'est ça qui fait prendre toute la secte. Mettez ensemble. Donc, en dans toute cette église, c'est là ça pourra joindre. Mounsa qui remet tout ça que j'ai remet, ou bien Mounsa qui raille tout ça que j'ai raille. Et ça qui fait du point l'église de Philadelphie avec l'église de qui est-ce? De l'église de Smyrne. C'est deux églises, c'est un dans l'Iolidio. On voit que tout ça qui est bon que lui remet. Mais après quoi, dans l'audio, même si on parle tout ça que j'ai raille, mon bon bon bagaille pour ou raille que j'ai remet. Mais en dans de l'église, Philadelphie. Et Smyrne, il dit, ah, en dans l'église, nous voulons tout ça qui fait quelque chose. Même Jean, là, lui, vient en dans la Odyssée, il dit, tout ça, nous ça au fait, c'est répuyé, il répuyé. Donc, ça, sont l'église, côté du jeune, on bande nous, qui fait tout bagarre, qui pour faire quelque chose. Parce que ça répond à la question, non? Est-ce qu'il y a un monde? Oui, monde, en dans l'église, la Odyssée, c'est ça que fait. Donc, moi, nous devons nous poser une question. Nous-mêmes, on ici, dans qui l'église que nous y est? Dans cette église. Puisque moi, là, lorsque je parle comme si de Mounsa qui finit passer déjà, qui j'ai été, qui j'ai eu, qui j'ai Jésus a pu chercher, yo. Tandis que là, je parle de eux, c'est de nous aujourd'hui que nous devons parler. Parce que c'est nous les vivants qui serons restés. C'est ça, nous joignons. Apocalypse l'a dit, c'est ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 va dire, nous les vivants qui serons restés, Jésus pourra enlever nous. Dans les nuits, nous pourrons rencontrer. Nous les vivants qui seront restés. Et si nous avons mouru avant, eh bien, il pourra le ressusciter. Nous, pour nous vivre. C'est nous. Ça, c'est nous qui passons déjà. Et qui attendent son paillot, l'air est arrivé. C'est nous l'autre. Est-ce que, pasteur, premier l'amour, est-ce que prêcher l'évangile là? L'évangile là, c'est le premier amour. Prêcher l'évangile là. Of course, c'est son job pour gagner, hein, pour capable prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas premier amour. Combien, combien ça, t'as prêché l'évangile là, oui, à Jésus? C'est le même évangile. Premier évangile là, le premier amour là. C'est l'amour pour mon Dieu d'abord. Et nous l'amour mon Dieu a, il pourra le montrer, c'est dans l'amour pour prochain. C'est si vous avez l'amour pour prochain, c'est là que vous avez l'amour pour Dieu. Or l'amour pour prochain, il n'y a pas de consigne d'abord, c'est pas manger, hein, ça l'a moyen. Parce que vous avez parce qu'on va manger et vous avez l'amour pour mon Dieu. Oui, mais mon Dieu dit, vous croyez en lui et puis fait ceci, fait cela. Il est entrelacé. Il est entrelacé. Entrelacé. Bon, on finit là le matin. Hein?